juste mon nom, bienvenue sur News 8. En fait, nous avons un update pour vous sur l'investigation qui a été annoncée depuis longtemps, puisque l'image de la photographe a circulé un peu partout, qui a provoqué la colère de la part de monde qui pensait que c'était une image qui rappelait nous lorsque les blancs, qui, en fait, dominateur blanc, justement, a dirigé. Et façon que agent Custom Border Protection a avancé sur Haïtien en Angloa, justement, et en plus de monde a décrit l'action, et que ce soit au niveau de Duchesse, département blanc de sécurité, que ce soit au niveau de Maison Blanche, il a justement dit bon, il va faire une investigation, vous connaissez ça qui passé et monde qui mérite punition pour faire punition. Maintenant, ça qui passé. Et département de la sécurité, inspecteur général, va dire que ça va nous comprendre pas bon ici. C'est vrai, nous avons un président, c'est vrai que nous avons en fait, au carré de ministre, en parlant de responsable département de sécurité, c'est vrai. Mais pour ça, il y a un responsable. Au niveau du département de la sécurité, c'est un inspecteur général. Et c'est job parle pour te mener investigation ça parce que en plus on a dit que investigation ça veut dire tu as fait là bien rapide. Et bien inspecteur général qui te gagne pour devoir pour investiguer dossier ça en d'autres termes pour ouais avec pour fouiller zone dans Calalou si gagne des mauvaises actions si gagne monde fautif prend sanction nécessaire inspecteur général qui peut investiguer conduite ça de la part de Border Patrol qui était monté sous cheval en septembre dernier, qui était photographié en confrontation avec migrants haïtiens sous frontière Mexique, près del Rio. Et l'inspecteur général, ça, il dit qu'il n'a pas fait aucune révision, il n'a pas fait aucune investigation. Bon, à ce moment-là, c'est comme quoi il a dit son dossier close. Il dit qu'il n'a pas fait review. Il dit qu'il a refusé de vérifier. Et sous qui ça le dit? Sur quelle raison il fait que l'inspecteur général ça dit qu'il ne peut pas faire investigation? Et des gens qui sont familiers avec le dossier, ça a fait connaître que si incurie, démarche, investigation, il a lancé et si tu as des conduites qui t'ont impliqué dans des allégations d'activités criminelles. Alors, je vais prendre pour vous encore. Il dit que, en d'autres termes, par le fait que l'action s'est faite là, il n'est pas impliqué des allégations d'activités criminelles, donc pas de raison pour le faire. Ok? Donc, pas de allégation d'activités criminelles sous base ça, il n'y a pas besoin de venir. Si c'est pour l'inspecteur général, ça, c'est un dossier qui ferme. Et on dit nous à peu près 2 mois après l'incident ça. DHS dit en jeudi à et sujet de et pour ta justement révoquer agent ça et Gampil sénateur républicain qui dit never ça va de fait donc on voit. Au contraire, nous rappelons que Donald Trump a applaudi justement l'action de la part de Custom Border Protection. Et Alexandre Mayorkas, qui était jeudi justement dans le Parlement, et il a déclaré à ce panel-là en septembre qu'investigation a tombé qui était supposée pour un jour. Mais nous, 2 mois après, par exemple, rien. D'après une déclaration qui se tient au niveau du département de la sécurité, West Coast Border Protection initialement référé incident par l'inspecteur général. Ok? Et Jean Dola, monsieur dit, il n'y a pas investigué par ça. Il a référé dossier de préférence BAC, attendez bien, à Sandarelli, Office de Professionnel Responsibility. Donc, ça table dit ça. C'est un dossier du style capable de gagner investigation, mais ce n'est pas, en tout cas, inspecteur général l'a dit, il n'y a pas de cause ça. Donc, c'est si tu as une activité criminelle, donc, il y a un dossier à bail
responsabilité professionnelle. Et immédiatement, ils ont commencé eux-mêmes à investiguer le travail. Donc, ça a bien pour faire. Il y a bien pour faire des révisions, des vidéos, des photographes, des interviews. Ils vont interviewer des témoins, ils vont interviewer d'autres employés, ils vont interviewer et CBP, leadership, autorité dans la tête et DHS. DHS dit que ils vont suivre justement ça nous a relé un process ordinaire et dans le cadre d'investigation. Je dis qu'ils prennent engagement pour mener une tour of investigation qui est indépendante, qui est objectif et ils ont partagé l'information tant qu'ils sont disponibles, consistant avec besoin pour protéger l'intégrité de l'investigation et d'arrêter la vie privée des gens qui sont sous dossier ça. Et donc, Mayorkas qui déclaré par House of Land Security Committee a gagné une quantité d'agents qui est placé en administrative duty. Donc ça t'a dit gagner en pain custom border protection ça qui est voyé la caillou et il a examiné action yo il dit pas révoquer on dit voyé la caillou. Donc c'est ça n'a relé administrativement yo mando pour aller en attendant que yo éclaircir ça. Et mais quand tu as parlé ici me d'avle nous assurer que m'a adressé et justement problème ça avec toute rigueur li Mayorkas en septembre de dit et en déclaration qu'il fait par parlementaire il dit et donc il dit que lui-même il est prêt pour lui faire lumière depuis ta gain en action injuste là justement faire correction et mais image de agent cap et mener immigrant bac à travers grande DA ça a été vraiment soulevé en pile condamnation. Et à ce propos, Mayorkas a dit action ça n'a pas représenté le monde nourri vraiment. Il a dit que l'agence office professionnel de responsabilité pour justement examiner, gérer en fait pour gérer et dossier ça. Et mais en plus, l'autre avocat a exprimé déception sur Jean de Chesté et réglé le dossier. Ça. En tout cas, et nous autres, nous avons tant de résultats de la part de nouvelle commission qui a mené l'investigation. Donc, guys, c'était un véritable plaisir. Toujours été connecté avec News Aid.